et je me permettrai de rajouter un point de fair play par participant, même si les points de fair play n'apportent rien. Ensuite, je veux un maximum de bruit pour Luc. Pendant que Geoffrey perd son point de fair play. Heureusement que ça sert à rien, parce que sinon... Donc, même s'il veut essayer de tricher, pour Geoffrey, Han Solo. Tu t'en vas pas vers l'eau pour toi. J'ai oublié de te donner tout de suite, mais il est là. Ah, donc là les oreilles sont peut-être un peu fatiguées. Voilà, les oreilles fatiguent, mais sont arrivées à un jugement. Vous avez été très bon cette année, puisque, a priori, on n'a pas besoin de revoter. Ce qui est arrivé plusieurs fois. J'aime bien quand les gens votent, ça fait cligner plus fort. Mais tant pis. Alors, donc le jury m'indique son choix. À la troisième place, Clément. Donc il finit troisième plus un point de fair play, c'est déjà pas mal. Vous l'applaudir encore un peu. J'ai approximativement 3 minutes avant de me faire éjecter de la scène et de voir le président, j'en profite. Deuxième top 3 de suite, quand même, c'est pas mal. À la deuxième place, Padmé. Et à la première place, malgré sa tentative de triche et de mauvais fair play, on donne tout là, on donne tout. On voit que les heures de travail devant le miroir ont payé.